Salut à tous, c'est RepKiller9. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur une nouvelle loot cave sur Mars. Donc en exploration toujours, comme d'habitude, du moins comme souvent, parce que certaines sont en mission. Voilà. Donc c'est ici. Elle est franchement pas mal. Oula, quel atterrissage. Donc vous tuez ces petits centurions. Putain, y a plus rien. C'est Vex. Hop, 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 voilà. Donc les centurions pop ici juste devant moi et les Vex pop devant, ici dans la grotte qu'il y a. Donc vous montez sur ce rocher, tac, et ici, juste au bout du rocher, là, là. Alors ceux qui arrivent, ils montent sur la branche qui est là, ici, là, et là franchement, ils sont pas mal, vous n'avez pas besoin de sauter rien, et les mecs pop automatiquement. Donc vous tuez les centurions de ce côté-là. Voilà, et de l'autre côté, pour faire apparaître les Vex, il vous suffit de sauter. Tac. Hop, et ils sont là. Voilà, paf. Toujours un qui se casse la gueule. C'était les portes, donc c'est casse-couille. Tac, et les centurions de l'autre côté, qu'ils arrivent normalement. Dès qu'ils meurent, normalement les centurions sont là, voilà, vous voyez. Tac, 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 voilà, hop. Les Vex. Tac. Oui. Hop. Voilà. Les centurions de l'autre côté. Et voilà, vous faites ça ainsi de suite. D'un côté centurion, d'un côté Vex. Donc ça fait une double loot cave. Au même endroit, ce qui est pas mal finalement. Donc ça fait beaucoup plus de pop et plus de chances d'avoir aussi des engrammes rares et légendaires. Ah, il reste un petit connard. Ah, et dans la tête. Et voilà, dans la tête. Dans la tête. Ah, petit engramme bleu là. Hop. Le premier. Allez, on refait un petit coup. Il n'a pas dû recharger. Voilà. Quand vous sautez trop près par ici sur le rocher, vous tombez en arrière et c'est chiant. Donc c'est pour ça qu'il faut être au bord du rocher en haut. Ça évite de se casser la gueule en arrière. Voilà, tac. Un connard ici. Et ouais, il n'y en a plus. Donc voilà, encore les cabales qui sont là, dans la tête. Allez, on va les tuer dans la tête. Hop. Hop. Itch. Ah, je vais essayer d'aller sur la branche pour montrer, mais je sais pas, j'arrive pas souvent. Ah la salope. Et non, loupé. Bon, c'est pas grave. Donc voilà pour cette loot cave. Elle est franchement sympathique, elle vaut le coup. C'est une très bonne loot cave, je pense. Actuellement, il y en a beaucoup moins qu'avant. Et celle-là est franchement viable. Hein. J'ai eu pas mal de trucs dessus. Donc voilà. Alors, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et peut-être d'autres loot caves. C'était RepKiller9 sur PSN. Bye bye.